Allez, rebonjour à tous, c'est Fion, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto comment stream avec une faible connexion. Donc la vidéo de ce matin était plutôt destinée aux personnes qui avaient vraiment très peu de sous, donc voilà, une vingtaine d'euros par mois à consacrer, c'est très bien. Si vous voulez commencer dans le stream, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre plus. Là, on va partir pour ceux qui ont besoin d'une connexion assez importante en toutes circonstances ou qui streament énormément et ont besoin d'avoir des garanties contre les problèmes de crash, etc. au niveau des connexions. Donc on va commencer, en fait je vais aller dans l'ordre, on va commencer par ce qui coûte le moins cher jusqu'à ce qui coûte le plus cher que j'ai testé. J'irai pas sur des choses que je n'ai pas testées. Par contre, comme pour la première vidéo, n'hésitez pas à dire si vous avez des bons plans, etc. ou des manières de faire que je ne fais pas moi personnellement et qui permettraient vraiment d'améliorer la connexion, etc. ou la rendre beaucoup plus stable. Donc on va commencer par un truc tout bête, c'est avoir deux forfaits 4G, donc deux téléphones portables. Je vous conseille de ne pas avoir le même opérateur, par exemple prenez Free, prenez Red by SFR, ça vous fait donc 39,99€ par mois, mais au moins vous êtes sûr que si jamais l'un des deux lâche, vous en avez toujours l'autre pour répondre. Je vais vous montrer ça tout de suite comment on peut faire ça. Alors voilà, donc je suis retourné donc dans ce gestionnaire des tâches. Je vous ai dit qu'il serait très important pour cette deuxième partie de vidéo. Donc cette fois, j'ai deux portables de connectés. Je ne sais pas si vous les verrez à la caméra. Donc j'ai mon Samsung ici, donc le que vous avez vu déjà la première fois. Et cette fois, mon BlackBerry. Oui, parce que j'ai un BlackBerry. BlackBerry qui est du côté de Free. C'est ce que vous voyez ici en Ethernet 2 et Ethernet 3. Alors des deux, il n'y en a qu'un seul qui marche. Hein, c'est l'Ethernet 3. L'Ethernet 2 ne fonctionne absolument pas. Et là vous avez donc mon Samsung, donc c'est mes deux connexions, je n'ai que ça, là j'ai pas mis d'ADSL, j'ai pas mis d'autre chose, vraiment que les des portables, donc pour 39,99€ par mois, on va dire que voilà, vous voulez pas acheter une connexion, vous voulez 200Go, il y a 100Go de chaque côté, donc vous vous dites que ça vous va très bien. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire au cas où une des deux connexions lâche pour faire en sorte que ça arrive sur la troisième. Donc tout simplement, on va retourner sur XSplit. Donc vous allez dans outils, paramètres, comme dans la première vidéo. Sauf que cette fois, dans la partie avancée, vous allez faire choisir automatiquement une autre carte réseau si celle sélectionnée n'est pas disponible. En fait, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Tout simplement, si jamais l'un de vos portables crash, l'autre prend le relais durant le stream. Il y aura peut-être un petit drop d'une vingtaine de secondes, mais globalement, le stream va reprendre sans que vous ayez besoin de changer quoi que ce soit. Je vais vous le montrer là, par exemple. On va retourner comme la dernière fois sur YouTube, s'il le veut bien, oui voilà, démarrer la diffusion. Alors, donc vous savez, je vous rappelle, normalement il est censé nous le mettre sur notre téléphone, regardez c'est ça, hein. Quand vous regardez ici, il est bien sur le Samsung, donc c'est bien sur le Samsung effectivement que c'est en train de prendre la connexion, et comme vous pouvez le voir en haut là, là, voilà, bitrate, et pour l'instant, zéro drop. Alors, attendez, on va se remettre au niveau des drops. Zéro drop pour l'instant, et donc ma connexion Samsung fonctionne, d'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais couper ma connexion Samsung. Voilà, connexion Samsung coupée, et là, normalement, regardez, les bitrate qui commencent à descendre. Eh ben non, pas de bitrate qui descend, parce que regardez, il a pris le relais immédiatement. Et là, on est sur la connexion du BlackBerry. Donc, vous avez vu, je n'ai pas eu un seul drop. Dès que ma connexion a craqué, tout de suite, c'est revenu sur l'autre Ethernet. Donc, c'est juste parfait. Ça vous évite d'avoir des problèmes, des crashs. Si en plus de ça, on verra après, mais dans le cas où vous avez notamment la Freebox et que votre portable Free, du coup, et vous avez la 4G limitée, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de stream sur ce portable Free et d'utiliser votre Red by SFR en secours. Dans le cas où vous n'avez pas la Freebox, faites l'inverse parce que le Red by SFR, comme je l'ai dit, c'est vraiment de la bonne qualité. Ou sinon, faites de temps en temps, vous faites 1 sur 2. Comme ça, si jamais dans le cas où vous êtes vers 75Go pour les deux, il y en a un des deux qui bug, au moins vous pouvez toujours récupérer le reste des autres. Donc je vous conseille de faire 1 sur 2 parce que si vous cramez votre forfait SFR et qu'il vous reste plus que vers les deux dernières semaines, voire la dernière semaine du mois que Free crame après à cause d'un problème 4G, vous ne pouvez pas stream. Donc faites 1 sur 2, ça pourra vous permettre voilà, de stream assez convenablement. Donc là, j'ai par exemple, j'ai remis BlackBerry. Alors je sais pas, hein, je vais faire le test. Si je veux virer BlackBerry mais que j'ai remis du coup, attends la connexion sur SFR, est-ce que ça va dropper? Ouais, j'ai l'impression que ça va dropper. Voyons voir ça, drop. Ouais, effectivement, j'ai du drop. Mais la connexion est pas encore revenue là. Non. Donc c'est ça en fait. Une fois que vous avez cramé une fois votre portable, si vous deux opérations de secours crament, il faut attendre un peu avant que ça revienne. Voilà, là c'est revenu, vous avez vu.
Donc j'ai perdu combien d'images? Ah, 1150, donc vous avez vu, ça reste quand même correct, hein, 1150 images. Et voilà, ça a déjà repris. Donc normalement, avec ce type de connexion, peut y avoir des petits crashs, mais normalement, vous êtes capable de les résoudre assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment pour les faibles connexions. Maintenant, je vais vous montrer que c'est aussi le cas du coup quand vous allez lancer Rainbow Six Siege. Alors, si vous avez bien suivi la fin de la première vidéo, j'expliquais que si vous prenez seulement un forfait 4G et que vous ne prenez pas d'ADSL, ça risquait de vous pénaliser parce que si l'ADSL crash, c'était également vos jeux qui crachaient après, enfin votre jeu qui allait cracher. Donc normalement, ça devrait être aussi le cas. On va faire le test ici, j'ai envie de voir. Je ne sais pas du tout si ça a marché, je pense que oui. Mais normalement, si l'une de vos connexions lâche, la connexion qui est sur R6 lâche, normalement elle va directement se reconnecter à l'autre connexion. Donc l'avantage d'avoir au moins 2 4G, c'est de parer à toute éventualité que vous n'ayez pas de problème. Ah, je pars en casu à rejoindre la partie. Donc c'est pas compliqué, en plus ça tombe bien parce que je dois sûrement la rejoindre en cours de route. Ouais, voilà, je la rejoins en cours de route. Je vais donc couper ma connexion BlackBerry. On va voir ce qui va se passer. J'ai coupé ma connexion BlackBerry et pourtant ça marche toujours. Je vais remettre ma connexion BlackBerry. Hop là, ma connexion BlackBerry, je regarde. Maintenant, on va couper à la fois la connexion du Samsung qui lui s'occupait du coup du stream. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, je coupe ma connexion Samsung. Alors, on va voir déjà en haut au niveau du stream ce que ça donne. Alors, au niveau du stream, je suis en train de dropper. Ah, et j'ai perdu toute ma connexion. C'est bien ce que je me disais. Donc, résultat des courses ici, conclusion de ce qu'on peut dire, c'est que le BlackBerry a crashé, le Samsung a pris le relais, mais c'est exactement pareil que pour le stream. C'est-à-dire que si vos deux connexions de secours bug l'une après l'autre, impossible de revenir, votre partie est finie. Donc, dans ce cas-là, si vous voyez qu'une des deux connexions a bugué, moi, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez fini votre casu, ou votre classé, de retirer votre, effectivement, de redébrancher vos portables, de les remettre pour que la connexion soit à nouveau et que vous pouvez puissiez encore de nouveau profiter effectivement de ça. Voilà. Alors, donc ça c'était pour la solution pour, on va dire, à 40 euros. Maintenant, une autre solution, vous rajoutez à ce binôme free, une ADSL, n'importe lequel, celui-là que vous voulez. Bon, du coup, moi, je vous conseille lui de free si ça vous permet d'avoir un peu une réduction sur votre forfait. Mais je sais que, par exemple, comme je vous ai dit, à Bouygues, ils sont à 6 euros. Là, ils ont une offre actuellement à 6 euros par mois. Donc, à la limite, prenez de la DSL de Bouygues, on s'en fiche, en fait. Et j'ai même envie de vous dire, plus vous avez effectivement d'opérateurs différents, moi, vous êtes soumis au bug, donc c'est pas un souci là-dessus. Vous prenez n'importe quelle ADSL et en fait ça marche exactement le même système que la dernière fois, hein. C'est-à-dire vous vous rappelez, je vais retirer ma cam. Donc vous allez là, alors je vais rajouter la DSL de Free. Hop là. Donc c'est le même principe, ouvrir le centre de réseau et partage, etc. Donc là vous avez toutes vos connexions qui sont actuellement là, d'accord, ça on l'avait déjà vu. Bouton Alt, avancer, paramètres avancés. Donc là, vous avez toutes vos connexions dans l'ordre. Là, par exemple, vous avez vu que l'Ethernet, il est juste avant local, etc. Ça, après, vous faites comme vous voulez. Mais faites attention, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, dans les outils, dans les paramètres que vous aviez notamment mis en place pour XSplit, je vous les remets là pour si vous avez oublié, vous avez dit que choisir automatiquement une autre carte réseau si Celonis n'est pas disponible. Alors faites très attention à ça et faites des tests avant de lancer vos streams. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est possible que vos, vos portables de secours, en fait, si jamais il y en a un qui crache, peut-être que lui, l'ordinateur, va vouloir vous remettre sur l'Ethernet, en fait. Donc faites attention, faites des tests avant de lancer le stream, faites un test par exemple sur une chaîne test comme j'ai fait là, vous créez une chaîne test sur YouTube ou sur Twitch et vous regardez et vous dites si jamais je fais crash cette connexion là, ma connexion de base par exemple, on va dire, je vais vous montrer d'ailleurs, on va voir si ça va marcher justement, ça marche pas à tous les coups, c'est pour ça que je vous dis de tester avant. Donc on va lancer le stream sur YouTube comme d'habitude, hop. Voilà, c'est fait. Alors, ici, on a nos différentes connexions ou pas. Voyons voir ça, parce que peut-être qu'il y en a qui ont crash, qui ne sont pas revenus depuis. Oui, celle, effectivement, sur l'Ethernet n'était pas revenue. Donc, je vais relancer, parce que sinon, ça risque de fausser, ça risque de fausser la donne. Voilà, hop. Donc, cette fois, je relance le stream.
Donc là, j'ai mes différentes connexions. Vous les avez vu, elles sont toutes à gauche. C'est pour ça, quand je vous dis que ça commence à être de plus en plus compliqué, plus on accumule les connexions, plus c'est compliqué. Donc ça, c'est mes connexions BlackBerry. Ça, c'est ma connexion Ethernet classique. C'est marqué ici. D'ailleurs, il est en train de recevoir pas mal de trucs. Je suis sûr que Steam est en train de... Oui, c'est ça. On va couper Steam. C'est parce qu'il est en train de télécharger la mise à jour Project Car. Donc forcément, c'est pour ça qu'il est laissé emballé. Et là, donc, on a la connexion du stream. Voilà. Vous avez vu, côté en haut, bitrate, tout va bien. Et c'est bien cette connexion-là de stream, du coup. Donc tout va bien. Maintenant, c'est là où on va faire le test. Et c'est là où je vous demande de faire des tests avant de lancer vos streams pour être sûr si vous avez une connexion de secours et la DSL. Hop, j'ai coupé ma connexion Samsung. Elle va crash. Regardez, d'ailleurs, elle n'apparaît plus. Et on va voir qui prend le relais. Est-ce que c'est ma connexion de secours ou est-ce que c'est l'Ethernet? Pour l'instant, en haut, ça a l'air d'être l'Ethernet, si je dis pas de bêtises. Eh ouais, regardez, vous avez vu, c'est l'Ethernet effectivement qui prend l'option de secours. Donc dans ce cas-là, ça veut dire drop normalement. Eh ouais, drop. Alors, c'est pas en train d'apparaître, oui, c'est bon, regardez, les drops, il y en a de plus en plus. Allez, vas-y, drop un peu plus. Voilà, là, on a des gros drops. Parce que c'est votre connexion Internet qui a pris le relais. Donc ça, il n'y a pas de secret. La seule solution que moi, personnellement, j'ai trouvé, bah, c'est de débrancher le câble Ethernet, etc. jusqu'à trouver, effectivement, la meilleure option où ça va vous faire revenir automatiquement sur BlackBerry. Alors, le problème de débrancher un câble Ethernet, c'est que si ça vous arrive quand vous êtes en plein jeu et que vous jouez avec votre ADSL, bah là, vous êtes tout simplement mort. Parce que si vous débranchez généralement votre câble ESL, enfin ADSL, excusez-moi, à moins que votre connexion prenne le relais, ce qui est quand même assez rare, mais ça peut arriver que ça passe de l'Ethernet à votre portable. Regardez par exemple, en haut, il met énormément de temps à revenir sur le BlackBerry, c'est pas assez normal. Donc voilà, donc faites attention à ça, méfiez-vous si vous prenez l'ADSL. Donc ça, c'était pour la deuxième étape. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière étape. Mais oui, parce que... Normalement, à un moment que vous soyez plus riche que moi, ce qui est possible, je peux pas aller plus loin, moi. Donc, c'est quoi la troisième étape? Je vais arrêter le stream. Alors, la troisième étape, pour vous la montrer, je vais avoir besoin de ma GoPro pour vous montrer de quoi il s'agit. Pour la troisième et dernière connexion, on va reprendre tout ce qu'on a vu avant. Donc, un forfait Free, un forfait Red by SFR, ma Freebox. Et la dernière connexion, en fait, c'est une nouvelle carte 4G. C'est pour ça que Resiac, notamment, avait fait un truc comme quoi j'étais dealer de 4G. Parce qu'effectivement, au final, j'ai 3 cartes SIM pour la 4G. Donc, c'est pour vous dire l'investissement que ça coûte. Que je vais mettre dans ce routeur 4G que je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement. Donc, ce routeur 4G, grâce à ces deux grosses antennes, en fait, récupère la 4G et peut me la renvoyer après via mon ordinateur, via ce câble Ethernet. Alors... Le problème, c'est que si vous utilisez ce câble Ethernet, vous ne pouvez pas accéder à ADSL. Or, moi, je vous conseille vivement de garder votre ADSL parce que l'ADSL, ça reste la connexion la plus sûre. Pas pour stream, on a vu, mais pour tout le reste. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est soit d'acheter une deuxième carte réseau. Ça coûte pas très cher, mais bon, c'est un peu, si vous n'avez pas de place dans l'ordinateur, c'est un peu embêtant à installer. Sinon, c'est de prendre ce genre d'adaptateur. Un adaptateur, tout simplement, qui fait Ethernet jusqu'à USB. Donc, je sais plus combien il coûte, je vous regarderai, je le mettrai du coup dans la description. Et on va le brancher comme un câble USB et en fait, je vais rentrer le câble Ethernet à l'intérieur. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pour plus de stabilité, vaut mieux mettre à l'intérieur ici le câble de l'ADSL et plutôt mettre directement sur votre carte réseau le câble du routeur 4G. Je fais ça, je vous montre rapide, je fais les mouvements parce que vous avez, enfin, les placements, vous n'avez pas besoin de me voir les faire et je vous explique après comment fonctionne le routeur 4G et comment le configurer. Donc voilà, j'ai tout branché. Comme vous pouvez voir ici, j'ai bien l'ADSL qui fonctionne, on voit effectivement que ça marche avec les couleurs. Ici, j'ai mon routeur 4G et là, en fait, je vais avoir du coup ici mon Samsung, ici mon BlackBerry. Donc vous voyez, en fait, j'ai 4 connexions. C'est ce que vous voyez rapidement à l'écran ici. Je fais vite fait parce que je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Donc là, on va aller directement voir comment fonctionne le routeur 4G. En fait, c'est simple. Alors, ça coûte assez cher, mais c'est assez pratique au niveau stabilité. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs symboles. Donc ça, c'est tout simplement le symbole comme quoi il est en fonctionnement. Ici, comme quoi la 4G, effectivement, il a de la 4G parce que des fois, il peut récupérer de la 3G, de la 2G, etc. Comme quoi le Wi-Fi marche. Donc en fait, à quoi sert ce routeur? Vous pouvez vous en servir aussi comme d'une borne Wi-Fi. Par exemple, imaginons que votre forfait Red by SFR a coulé, pouf caput, que vous êtes abonné Freebox, vous pouvez très bien dire à votre portable de récupérer la Wi-Fi ici, ou même si vous avez une télé ou autre, enfin vous pouvez tout connecter en Wi-Fi ici, donc c'est assez pratique si vous avez effectivement la 4G limitée. Et ça veut dire que le câble Ethernet est bien relié effectivement à mon ordinateur.
le signal du réseau. Donc globalement, tout devrait marcher. Voilà, donc après vous avoir montré tous les différents symboles, je l'ai éteint. Donc tout simplement, j'ai appuyé sur le bouton on-off qui était derrière. Alors, il y a la carte SIM qui est mise. Je vais la retirer justement, voilà, pour vous montrer que c'est bien une carte SIM free. Donc tout ce qu'il y a de plus normal, d'accord. Donc vous pouvez la re-rentrer ensuite jusqu'à entendre le fameux clic. J'y arrive pas, voilà, c'est bon. Voilà, là on a entendu le clic. Et donc voilà, ensuite vous pouvez le mettre en fonctionnement, donc bouton on-off pareil. Et là, effectivement, le symbole, il va clignoter, ça veut dire qu'elle est en train de se lancer, etc. En fait, à chaque fois que vous allez éteindre votre routeur 4G, pour le faire fonctionner, il va falloir le configurer sur votre ordinateur. Je vais vous montrer, c'est assez simple à faire. Là déjà, vous avez donc mes 4 connexions. Donc il y en a 5, c'est parce que vous savez, BlackBerry, il y en a 2. Donc là, Ethernet 2, Ethernet 3, c'est le BlackBerry, ça n'a rien changé. Ici, c'est ma carte réseau. Alors attention, comme je vous ai dit, ma carte réseau, maintenant, c'est ma nouvelle connexion. Donc c'est la connexion du routeur 4G. Ici, vous avez la connexion du Samsung. Et ici, vous avez donc l'Ethernet 4, c'est l'ancienne connexion. Donc ça, voilà, ça c'est mon adaptateur, comme il dit, gigabit, etc. En fait, c'est mon ADSL. Alors, pour faire en sorte que votre connexion fonctionne, alors, c'est pas compliqué. En fait, il faut rentrer l'adresse 192.168.1.1. D'accord, c'est celle-ci que vous allez rentrer. Et vous allez tomber tout de suite. Voilà, le mot de passe, on s'en fiche. Donc là, vous pouvez changer le mot de passe d'origine, c'est admin admin. Moi, je ne les ai pas changés, mais je vais les changer bientôt, juste après cette vidéo. C'était pour vous montrer la chose simple. Hop là, et voilà. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit comme quoi votre mot de passe est effectivement, enfin votre carte SIM s'est bloquée, etc. À partir de ce moment-là, il faut rentrer effectivement le code PIN. Donc vous rentrez le code PIN de votre carte SIM, d'accord, comme enfin classique. Voilà, donc vous avez vu que mon code PIN c'est 1234, vous savez que c'est les codes PIN basiques pour free, mais bien évidemment je vais le changer aussi au cas où il y ait des gens mal au truc qui essaieraient de piquer mon ordinateur, quoi. Bref. Donc voilà, ensuite vous avez plein de choses pour configurer. Globalement, où c'est qu'il fallait configurer? Attendez que je cherche, voilà, c'est ici. C'est dans le network pour ceux qui seront chez Free. En fait, vous pouvez mettre n'importe quelle carte SIM. Mais voilà, si vous êtes abonné Freebox, autant mettre une carte SIM puisque c'est vraiment ça qui va, vu que c'est illimité, au moins vous n'avez pas de soucis à vous faire. Alors, avec les autres, il faudra surveiller. Donc là, moi, je lui ai dit que je préférais Network Mode 4G en préférence. Donc, dès qu'il a plusieurs connexions, c'est la 4G en premier. Profil name, vous mettez Free. Type IPv4, IPv6, il n'y a pas de souci. Statique, APN, Free. Authentification type known et vous sauvegardez. Normalement, ça devrait vous permettre pour lancer la première fois votre connexion. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, le statut, ça vous permet de voir si vous êtes connecté ou pas. Là, comme vous pouvez voir, je suis connecté. Et c'est là où vous voyez déjà que j'ai utilisé 118 gigas que pour un mois. Donc le mois, ça doit être ce mois, c'est le mois d'octobre. Donc 118 gigas sans compter mes connexions de secours. Avec mes connexions de secours, je suis à largement plus, hein, quand je vous disais 150-200. Donc là déjà, vous voyez bien que c'est de la connexion free, c'est illimité la 4G, parce que sinon, j'aurais pas pu dépasser ces 118 gigas. Au bout d'un moment, j'aurais eu une connexion limité. Donc là, ma connexion fonctionne. Moi, personnellement, c'est avec cette connexion-là que je stream sur Twitch, etc. Parce que c'est la connexion généralement la plus sûre, parce que vos portables peuvent avoir une surchauffe et peuvent bugger. Là, le seul souci que vous pouvez avoir avec votre routeur, c'est vraiment si la 4G de free saute, ce qui peut arriver. Et dans ce cas-là, vous avez la connexion de secours avec votre... j'allais dire avec du coup votre Samsung, donc normalement vous risquez pas grand chose. Ethernet, voilà. Alors après, attention, ce que j'ai remarqué, contrairement au portable, le problème, le gros défaut que je trouve à ce routeur 4G, peut-être que c'est la marque, hein, qui est comme ça, c'est que pour télécharger, c'est vraiment pas pratique. Il y a des sauts de connexion souvent, donc finalement, à chaque fois, ça coupe vos connexions. Par exemple, pour télécharger des jeux Steam, etc., vous allez mettre un peu plus de temps, mais ce sera toujours mieux que votre ADSL. Donc là, vous pouvez en profiter si c'est limité à télécharger. Et en revanche, c'est très pratique pour l'upload des vidéos sur YouTube, parce que même s'il y a des micro-coupures, ça va quand même très très vite à upload des vidéos. Et pareil pour stream, c'est très très efficace pour stream. Ça coupe rarement, des fois ça coupe deux fois, mais normalement avec vos... j'allais dire avec vos portables de secours, c'est pas censé couper. Du coup, on va le montrer d'ailleurs. Normalement, j'ai toutes mes connexions de dispo. Je vais vérifier quand même pour pas faire de bêtises. Ouais, j'ai toutes mes connexions de dispo, donc c'est parti.
Cette fois, dans sortie Twitch, donc dans YouTube, la sortie YouTube, cette fois, je vais décider que ce soit mon Ethernet, qui représente donc ma 4G, mon routeur 4G, qui va stream. Hop là, et on va lancer, du coup, la connexion. Et vous allez voir que c'est quand même assez solide. On va voir tout de suite si ça fonctionne. Bitrate. Donc ça n'a pas l'air de fonctionner. Si c'est bon, j'ai eu peur. Si ça fonctionne, c'est bon. Il est en train de les envoyer. Voilà. Dans le cas où votre connexion saute avec les paramètres que je vous ai montrés avant, normalement ça devrait fonctionner. Donc par exemple, chose incroyable, qu'est-ce qui se passe? Mon câble Ethernet a été retiré et c'est la faute à cette souris. Et oui, ça peut arriver, une souris qui vous pique le câble Ethernet. Et là, que faire? Est-ce que ça va bugger ou pas? Eh ben, regardons tout de suite. Débranchement, comme vous pouvez le voir en haut, du coup, la connexion, et même ici, la connexion qui s'effondre totalement. Et qui c'est qui va récupérer ici la connexion? C'est la question qu'on se pose. Et vous regardez, pour l'instant, on a le choix entre effectivement l'Ethernet 4, la connexion Samsung ou effectivement le BlackBerry. Et pour l'instant, ça a l'air d'être le... Ah, attention, on a une nouveauté, c'est donc, voilà, c'est le BlackBerry qui récupère donc la mise ici. Le BlackBerry qui vient donc au secours du câble Ethernet. Donc comme vous avez vu, ça marche effectivement, les opérations de secours, etc. Donc là, ça fonctionne, le câble Ethernet du coup qui a pu récupérer la mise ici sans trop de difficultés. Ce qui est plutôt assez pratique du coup. Donc voilà, je vous ai tout dit au niveau des connexions. Je réfléchis si j'ai oublié quelque chose ou pas. Si, il reste un dernier point à voir, mais là ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne seulement ceux qui ont des vidéos YouTube, qui veulent restream des vidéos YouTube. Par exemple, ça peut être le cas de casters qui ont besoin d'une vidéo YouTube. Donc je vais vous montrer un exemple très simple sur n'importe quelle vidéo. Par exemple, on va prendre une vidéo de chez moi, hein, ça ira plus vite. Alors, qu'est-ce que j'ai comme vidéo ici? On va aller sur ma chaîne. On va dire que j'ai envie de restream une vidéo. Le problème, c'est que si vous allez restream une vidéo... Alors déjà, je vais revenir sur ici. Le problème, c'est que si vous voulez voir une vidéo en 1080p, comme ça m'arrive... Si vous voulez voir une vidéo en 1080p d'un match par exemple, je ne sais pas, est-ce que j'ai un match en 1080p? Oui, je vais avoir un match en 1080p ici. Le problème c'est que ça va buffer, vous allez avoir énormément de mal dès que je monte sur la pub forcément. Long. Alors, le problème c'est que vous allez énormément buffer si vous êtes avec votre connexion de base. Ah, par exemple, il m'a déjà redescendu à 720p parce que je suis sur ma connexion de base. Alors moi, ce que je vous conseille de faire dans ce cas-là, c'est de déconnecter. Regardez, hop, ici. C'est Ethernet 4, c'est ma connexion de base. Et en fait, elle est en train de prendre le relais. Et ça, bah, parfois, vous n'avez pas le choix hein, quand vous allez sur Internet. C'est cette connexion de base qui se met en premier. Donc moi, ce que je vous conseille tout simplement, c'est de déconnecter quand ça vous fait ça. Vous déconnectez votre ADSL, finalement vous n'en avez pas tellement besoin, que vous avez les autres connexions pour compenser, ce qui vous permettra de stream en 1080p sans problème. Voilà, maintenant on va voir qui gère du coup cette vidéo. Quand on regarde, regardez, voilà, quand on regarde, c'est Ethernet 3 qui gère, qui reçoit et qui envoie. C'est le BlackBerry qui fait tout, et dans tous les cas j'ai mes autres connexions au cas où. Comme vous pouvez le voir, en plus le téléchargement, tout ce qu'il a fait. Et quand on regarde ici, les seuls drops que j'ai eu en haut, c'est les drops de tout à l'heure. Donc voilà, maintenant vous êtes capable avec ces différentes connexions 4G de pouvoir stream un match 1080p, voire même de regarder du 1080p sans passer par la DSL. Du coup, la DSL, je vous la conseille seulement en temps normal. Et pour les restes et pour le reste, vous prenez les autres connexions. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je pense vous avoir tout montré de ce que j'ai pu moi voir durant ces différents tests que j'ai pu faire depuis mon déménagement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres solutions et voilà, je pense vous avoir tout dit. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ah si, une chose, si vous avez d'autres idées de tuto, n'hésitez pas à demander sur quoi que ce soit. N'hésitez pas, j'essaierai de voir si je peux faire quelque chose. Allez, à plus, bye bye.